Nous avons installé 20 sculptures tout autour de la ville, de la cité. 4, 5 même sont assez hauts, sur les toits, contre le ciel. Et les autres, 16, sont sur sol. Ils partagent le sol avec les citoyens de Bordeaux. Je veux que la silence et la stabilité de la sculpture rend en une sorte de dialogue avec les corps vivants de les gens qui passent, mais aussi que peut-être c'est une question aussi d'interroger qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce que c'est la mémoire. Alors quelqu'un m'a dit, juste maintenant, que quelqu'un a dit « Ah, les œuvres sont… j'ai déjà vu cette sculpture, mais ce n'était pas là, c'était autre part. » Alors, est-ce que la sculpture a changé ou c'est moi qui ai changé ? C'est pas une statue. Un statut, c'est toujours d'un quelqu'un connu, qui est un participant à un narratif déjà connu, ou une mythologie déjà connue. Ça, c'est ces sortes d'ombres matérialisées sont qu'une sorte d'interrogation sur la vie elle-même. Alors, pour moi, c'est plutôt une question de contexte et de participation de les gens qui passent, les gens qui en sorte, dans une manière, sont participateurs en cette interrogation.